Alors, m'te fait allusion à question insécurité. À, je dis à chaque fois on est sous volant, un peu en motocyclette, qui a passé mon impression ou obligé prudent. C'est pas motocyclette en soi qui dérangeait, mais en pile fois dans majorité et infraction, dans la majorité crime qui perpétré à la base c'est motocyclette. Et je dis un phénomène taxi moto a pour ampleur telle que l'État pas qu'un réel, parce que je dis plusieurs dizaines de familles et rivé fonctionner avec pratique taxi moto. Sous camper taxi moto ou qu'a empêché tout monde à l'école, ou qu'a ça lui dit qu'il y a des familles qui pas nourrir tête, etc. Mais pour le moins, il fondamental que l'État régule. Nous tendez à nos CSPN, nous tendez commissaire Boucher, coordonnateur des directions départementales au niveau de la police, qui annonçait un ensemble de mesures qui pourraient que y a mettre sous pied. Donc, moun kap conduit moto, taxi moto, désormais, elle pourra enregistrer au niveau de la DCPJ, la bon fichier personnel. Ça veut dire dès que, ou même ou monte moto, bon ensemble d'informations sous moun qui, taxi, chauffeur taxi, que wap gagné. Et d'un seul clic, bon ensemble d'informations qui viennent sur ça. Qui te permet de mettre Pierre-Louis Eugène commencer sur ça, d'autant plus que m'a rappelé quand même, on c'est avocat à la police. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors. Comment est question, hein? Bon, oui, alors, oui. Oui. Mm-hmm. Mais ça qui passe en la société. Nous sommes une société phénomène qui toujours prend nous de coup. Nous ne sommes pas préparés pour rien. Nous ne sommes pas préparés pour le développement. Nous ne sommes pas préparés pour la mondialisation. Nous ne sommes pas engagés. Et, Internet, par exemple, c'est des gens qui viennent surprendre nous. Nous ne sommes pas préparés à aller utiliser un téléphone portable. C'est des gens qui viennent surprendre nous. Ou après, il y a deux jeunes qui sont revenus. Mais toute la journée, elle a dit qu'on mettait une minute pour les téléphones portables. Et puis, elle a parlé. Toute la journée, elle a dans le téléphone, elle a utilisé, elle a brûlé l'argent. Mais elle n'a pas gagné l'argent. Et puis, elle n'a pas homme d'affaires, elle n'a pas femme d'affaires. Mais elle a brûlé une minute. Et puis, compagnie a enrichi. Et puis, l'autre homme, il a volé une minute pour eux. Et puis, l'argent a brûlé, l'argent a bagaille. Donc, nous ne pouvons pas avoir aucun phénomène. Phénomène moto. Moi, je suis étudiant en France. Scooter, son va être très développé à Paris. Côté que après toute fille, toute jeune fille, gain scooter, petit moto, ça n'est l'économoto. Ce qui facilite le déplacement et puis qui brûle moins d'énergie, qui permet de nous déplacer avec facilité. Donc les gens apportent son facteur qui peut qui a aidé dans l'économie, hein, qui facilite la vie, mais faut qu'à utiliser la bonne échéance, faut le réglementer, faire que le cadre. Nous même phénomène moto, c'était bicyclette tout à qu'on a local, tout le monde une bicyclette. Sinon c'est au naïf, c'était pareil et puis moto rentre bloc. Moto apporte une réponse. Mais ce phénomène moto qui dirige tête li qui plante tête li. Tout le monde ouais bandi capitalise moto pour faire crime pour sauver plus vite, c'est ça seulement ouais dans moto. Mais on l'autre phénomène d'insécurité publique qui est aussi grave dans moto, c'est accident. Mm-hmm. Non pas que étudiants, jeunes filles, c'est femmes moi connais tout pied gain monde pied coupé l'hôpital, gain monde soit pied dérangé, soit qui ont perdu un paquet non bail dans pied quelconque, ont perdu un bras parce que go équipe jeune qui en est gon moun cache ton moto pour 3000 7000 la gonti cob 35000 goud cache ton moto dans quartier Michel fait deux jours on l'autre ami montre il fait deux coups de l'acheter la, permis pour $1,500 l'acheter permis en tout l'acheter permis tout et puis monsieur prend la rue. Monsieur pas connait dans qui sens pour rouler moto vire à gauche à droite moto c'est ou même comme conducteur cap surveiller pour yo exact moto a ou moto pas respecter voie de circulation sens unique et moto prend n'importe qui voit pas gain lumière rouge pour moto. Donc moto wa ou les gens le veulent. Alors pour yo pas respecté. Oui, c'est comme si pas rien. Oui, c'est comme s'il pas d'exister pour yo. Donc c'est pas seulement aspect bandit qui prend moto pour le courir et faire un crime, mais phénomène de circulation moto a pas régulé. Le fait qu'elle pas régulé, qui côté pas aucun l'école ici côté nèg la prendre circuler moto. Ça veut dire que pour entrer dans le phénomène automatiquement la développer son fait social qu'elle vient dire comme des mille décains. Les faits sociaux, faut observer, faut traiter yo parce que l'intérêt c'est société là. On est glacé, il décide comme qui la pour les motos, c'est lui qui décide qui voit la bouler, il prend n'importe quelle lunette devant machine, il entre sous monde. Donc il pas même conscient et propre ville pas en danger. Moi même moi connais trois jeunes avant hier, ils ont mouru deux blessés. Ils étaient au toit et puis entrer en bon machine. Et puis malgré chauffeur a fait il faut bouler panier malheureusement tous les trois victimes. Donc ça ou rentre dans un phénomène dont politique pas une politique publique véritablement qui est élaborée en termes de sécurité publique. Bon moi même j'ai avocat à la police, c'est vrai, ça fait longtemps avocat à la police. Mais ou alors moi qui ça la, dans la police là gagne une direction qui est la direction de régulation et qui là mais c'est la police.
c'est pas pour les, et c'est pas pour faire loi pour l'autre société pour rester. La police c'est auxiliaire des pouvoirs publics. Donc moun qui place pour faire loi parce que la police allié son entité qui pas même autonome. C'est un service déconcentré du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc c'est justement les grands pouvoirs de l'État qui pour prendre des mesures pour faut pour réguler. Maintenant la, les dirigeants de la police qui a fait des propositions mais il y a pas une initiative qui au cap pas une initiative de loi. Mais bien entendu phénomène moto a surprend nous comme tout l'autre phénomène nous surprend nous. Par exemple là nous dans CARICOM je dis Haïti même CARICOM. Mais principe qui dans cadre intégration régionale qui s'allie. C'est même libre circulation des personnes, libre circulation des capitaux, libre circulation des biens et des services. Mais pas grand coup qu'a fait dans l'université d'Haïti sous CARICOM, sous intégration d'Haïti dans CARICOM. Ça veut dire que mon des jeunes universités à jeudi à qui ça CARICOM, qui statue d'Haïti dans CARICOM, qui devoir Haïti être membre CARICOM, qui a des obligations et des droits et des obligations. Nous pas contre même monde qui est en plus haut niveau. Donc tout bagage surprend nous. Phénomène moto, pour nous être là plus précisément, c'est un phénomène qui surprend. Nous l'envahit tout le pays. Combien de motos gagnent la police a fait un peu l'effort pour le régler. Mais ce n'est pas seulement aspect insécurité en termes de bandits seulement lié. Il y a un aspect qui est plus sensible à combien d'accidents faites par jour, combien de motos faites par jour, combien de pieds dérangés par jour, combien de bras cassés, combien de monde qui est l'hôpital. Donc ça veut dire que maintenant, je pense que c'est une question plus globale. Pour poser problème moto, mais c'est vrai, la police se prend des mesures là. Je pense que c'est des mesures ponctuelles et je pense que caboter des résultats, même pas quoi, mesures ça aussi pas suffisant parce que il y aurait du problème là à la police. Mais la police c'est intervention, la police fait, la police pas responsable régulation et législation cadre juridique dans la société. Donc c'est vrai, mesures ça est utile pour le moment. N'a pas de résultats qu'il y a bail, monsieur qu'il y a bail des résultats positifs, même surtout qu'à résoudre le phénomène. Tout à fait, phénomène, non? C'est un phénomène global, multidimensionnel. D'ailleurs, si on a parlé de insécurité, précarité, conditions de vie mondiale, c'est ça a alimenté l'insécurité. Hein? Là où il y a misère, il y a atteinte aux droits de l'homme, il y a infraction aussi. Donc insécurité a donc gagné les multidimensionnels. Oui. Et pour me donner un second pour me lâcher dans la nuit. Ça est tellement important que les phénomènes mettent au cap multiplier à moins d'où. C'est des policiers par exemple qui ont un salaire, maigre salaire. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui pendant la ou dans n'importe l'autre secteur gontikob qui est meilleure façon pour le fonti économie son moto l'acheter un peu le bain anti voisin ou les pour le gontikob ba jouer et tout chaque une tande une dit l'autre et puis dit bon m'acheter une tout et puis chauffeur moto à lui même mon homme de moi le faire la rouler pour mettre la moto à vous pour lui mettre la réacheter en l'autre son phénomène il y a des gens qui ont moto tout je moi. Non, bon, bagage phénomène, bagage moto. Malheureusement ou heureusement, petite famille. Même des familles. Excusez-moi, mais Gobain met là dit qui pas tirer attention nous, met là dit malheureusement bagage. Malheureusement ou heureusement, non, pas attendez bien. Moi dit heureusement ou malheureusement. Parce que phénomène moto a un bon et mauvais côté. Comme ça c'est sénateur, ça regrette mon pas de prévoir pas ça pour des fonds loi pour bailler ça. Bon, c'est ça. Ça regrette mais même moi son bon même les mecs qui aiment tout répondre parce que bon, les doisimens sont pas transversales. Ils sont pas transversales, les doisimens. Nous, les travailleurs, nous disons que le transport n'est pas fait n'importe comment en Haïti. On dit que c'est accident qui est plus grave, c'est pas ça plus grave dans le phénomène moto. C'est quantité de monde moto à porter, c'est le plus grave. Ma vous n'avez pas capable d'accoucher. Excusez-moi. Quantité mon nan vrai dit quantité mon nan pic là. Oui, oui. Parfois on peut 5 moun, 6 moun. Yo kon jusqu'à 7 moun. Tout dernièrement là, ça pas gain 11 semaines. M'vont na konnèg 3 mains qui gain 5 ti moun piti son moto à ko moment. Combien ti moun? 5 ti moun piti. Ti moun piti. Ti moun piti m'dou avec maman. À ko moment. Moment vérité. Waouh. Je dis, nèg, chauffeur dans un wagon là, on nous suit, monsieur. Mais qu'on a vu prudent. Le microphone, c'est là. Je viens prudent, je perds dans suivi, monsieur, je ne vais pas faire monsieur accident. Tu vas avoir le suivi là. Je t'ai suivi, je t'ai stoppé. Oh. Oui, je t'ai pris un petit monde, je t'ai dit, maman, je t'ai pris un petit monde. Mais mon gars, parce que. Faut avoir un bon. Non, je fais ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Il n'est pas possible. On va le déposer au lobby. On va le déposer au lobby. Très bien. C'est maman pour. Non, maman, c'est petit. On va le déposer au lobby. On va le déposer au lobby.
Le bon petit monde piti sous moto, ça veut dire inoffensif. Et parmi eux, il est capable de 20 km, 10 km, il va jamais être. Parmi eux, gagne un petit bébé, non mais maman. Mois, non mais maman, tout comme manger, je vais faire des boules. Il n'est pas possible. Pas qu'aucun policier n'a quoi. Comment la police fait pas retourner comme ça, mais tourner comme ça? Même de l'accident, oui. Est-ce qu'il y a pas de différence? Accident, il va même bagaille. Il va même bagaille. Accident, on est cas sur moto ou selon ou feuille. Si n'est pas qu'on conduit moto, lui, c'est des gaffes, les rentrer dans une bonne machine. Mais qu'on y a si mon pitié. Aucun pays ne planète là. Voilà, ok, oui, arrêtez. Il faut la police t'arrêter tête pâle d'abord. C'est parce que la police n'a pas responsabilité. C'est ça que je vous ai dit, qu'on est la police. Qui est-ce qui l'a vous sanctionné? Voilà. Parce que qui t'aime on dit mon petit nom, quel pays, ou pas capoter nos machines comme ça, non? Faut qu'on mette des machines dans nos chaises, bien propre. Oui. Pas derrière nos machines dans des timons, non? Vous comprenez, petit mon petit. Il y en a un petit bébé. Mais ça, on ne pas comprendre qui travaille la police à faire là. La, la police n'a pas besoin donc, de régulation secteur, besoin, ça, secteur mototaxi. Ouais. Hein? Fondamentalement, comme à Noël, même quoi que pour étudier le phénomène. Moi-même, pour la police, à travers chaque commune, faut travail fondamental. Fait tout le monde, fond SOS, depuis ces monde qui gagne moto, faut venir inscrire. Qui c'est moto privé, qui c'est moto public. Moment, vérité. Tout le monde net en général. Yo ba un délai pour tout le monde net passer inscrit. Kogo moto. Tout le monde net, tout le monde en général passer inscrit. Si vous ne pas faire comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas inscrit, pas faire accident encore. Non, pas samedi. Donc pour régulariser la question moto, pour mettre l'ordre là-dedans, pour qu'on ait le nombre de motos qui gagnent, je dis à 6 membres de la police, combien de motos qui sont sur le territoire là, là, vous ne pas connaît. Mais ça, pour conduire, bon place Peggy. Ça, pour mon gars conduire moto, qui va conduire logique moto, qui va conduire genre moto à fonctionner. Ok, très bien. Capoter petit ou petit moins, l'autre monde. Parfait. Et puis, enregistrement, c'est bon, c'est dernier. Parfait. Là où vous venez enregistrer, c'est mettre moto à enregistrer. Pas vrai? Il y a des nègres qui ont moto à tout, c'est lui qui a conduit. Là où vous venez enregistrer, qu'on y a là, la police, il y a un pile de nègres qui ont conduit moto. Faut qu'il y ait fait petit test à t'nèg là, puis ouais, si qu'a conduit moto tout bon, si qu'a pris la rue, faut qu'on lui mon à la prendre. Voilà, c'est des fois qu'a pris la rue à moto. Qu'on a n'est qu'à vendre moto, excusez-moi, n'est qu'à vendre moto, qu'a acheté moto, venir vendre, la police doit travailler, puis faire qu'on a depuis yon moto à vendre, toute l'autre moto qu'à vendre, tout au départ, depuis en vendre, même côté, même yon a acheté machine, même côté, acheté machine, la plaque fait tout bagay fait là. Donc faut la police pas tendre moto à financer circulation gaille nan air là. La nature voilà pour les chercher récupérer. Mais sénateur permet pas don bagaille. Moi même c'est comme c'est juriste moi et c'est domaine moi plus bien connaît avec enseignement. La police moi nous autres répéter le pour d'accord, c'est auxiliaire des pouvoirs publics qui lié. Mais il y a le CSPR. Oui, n'a venir. On a venir. Ah c'est tu as dédouaner l'autre. Et mettre dans les professeurs, moi et mettre homme, je ne mets homme tout qui est conti livre d'ailleurs, puis me regrette pas. Henri Major, oui, et connais-toi toi-même, oui, connais-toi, change-toi et change ton pays, change-toi et change ton pays. Les Haïtiens parlent, c'est toujours l'autre, mais les mêmes, ils sont anges, ils sont tombés sur l'autre planète, ils sont dit, moi, les Haïtiens Abdou, des fois, quand on a la on a la salle, et puis la mange en canne, et boit le bout, il n'a la rien. Li prend mégo cigarette li bou et puis li met ce cadeau là cadeau au pays sale li fait travail li fait poil la cali poil la cali il fait manger li bou nan ego elle dit monsieur cadeau au pays sale ça veut dire que nous avons problème d'éducation nous avons problème de civilité et ben simple nous pouvons résoudre regardez comment nous conduit automobile dans l'aria et où on a passé où est engagé où tes priorités sur quoi ça paye à marcher ou céder le pas accepter bloquer la rue hein, pendant une heure de temps et puis oui, et oui, si oui. On accepte font petit bac de 20 mètres c'est ça là où il y a des blocs ou bal le passage c'est comme si les gens gonflaient à sous pas de balle les comptes mettre l'agent circulation il y a c'est comme ça Haïti ça veut dire que nous avons problème c'est ça que individualisme à où ça nous mettez nous devant un sourire nous pas voulez sourire avec l'autre monde qui borde c'est dans les passages là ça règle où vous levez mon ou faire un petit sourire pour lui ça qui améliore la journée nous pas voulez dire pardon nous pas voulez dire nous avons faute nous toujours gain raison nous toujours gain raison
c'est l'autre. Moi-même, ça me pense que le problème moto, il n'est pas aussi simple que ça. C'est un phénomène lié. Mm-hmm. Si c'est conséquence qu'on a traité, nous faisons commencer. Parce que ce n'est pas le problème. Là. Mm-hmm. Il y a un aspect social, il y a un aspect économique, il y a un aspect politique public. La police pas qu'à prendre des mesures pas fondées sur la loi. Même s'il fait intervention ça pour protéger, pour protéger quoi personne en danger. Ponctuel, c'est pas pompiers, intervention pompiers mrelil. Faut société arriver pour nous faire des états des lieux pour nous venir avec des bagages durables. Et sociologue, il faut bien sûr historien sociologue. Alors permettez-moi ça. Les gars, on a metté tout temps. Permettez-moi ça lui ingénieur Rosemont Pradel. Alors, Genek et retiré et voilà. Oui avec permission non, avec non, permission non, alors gagne levé c'est pour faire manger pour madame yo etc pour ouais, ouais, c'est ça ça fait que et ouais, c'est ça ingénieur Pradel et nous saluons nous rappelons secrétaire général de la fusion des sociodémocrates et c'est avec plaisir n'a pour recevoir dans panel moment vérité je tiens. Bon, merci Prigui pour l'invitation, mais je ne vais pas attaquer tout le temps. C'est pour non, c'est pas. Au contraire, galanterie. Oh non, ça fait on plaisir. On est qui fait manger pour ça madame. Ça fait plaisir, moi, du coup. Pour nettoyer, Kaila. C'est parce que j'ai des bagages pour parler. Ah, ouais. mais on connaît Prigui baptisé, non, mon nom, sous pas d'ici, on va la connaître. Non, il connaît. Bon, on a salué tout le monde qui n'a pas l'air là. Bon, c'est que nous commençons, bien commencé. Des problèmes assez sérieux qu'à poser là. Et puis, on a salué toute population haïtienne, femmes, tant que garçons. Donc, nous pensons que nous avons une émission qui est capable de porter un pile éclairage sur une série de questions assez intéressantes. Et nous permettons d'enchaîner sur la question ça, qui est relevée de la sécurité publique. Nous avons parlé de questions, alors, questions taxi-moto comme moyen de transport. Et nous tous d'accord que l'ampleur que le phénomène prend fait que l'État n'a pas qu'à en réel, pas qu'à éliminer, mais pour le moins, il y a une nécessité, un besoin fondamental pour réguler ce secteur-là, puisque statistiques sont là, et nous d'accord que la majorité a une sécurité qui commet à la base, c'est motocyclette, c'est ça qu'on a montré. Ça va veut dire que c'est chauffeur moto qui nécessairement sont alors c'est secteur qui pas bon mais quand même ils ont utilisé moto comme moyen pour quitter les lieux suite à la perpétration d'une infraction donnée donc on va connaître comment nous-mêmes parce que quand même c'est le parti politique yoto réfléchit sur ensemble de problèmes de société et dit collectivité a si m'accéder au pouvoir. Mais ça me gagne comme solution, comme réponse à tel problème, à un problème donné. Donc, au niveau de la fusion, comment nous voyons la question ça, initiative que la police, je dis, apprend pour réguler le secteur? Bon, c'est des problèmes très complexes. C'est-à-dire, bon, tandis que tu as parlé de ça là, effectivement, c'est des problèmes très complexes qui gagnent. D'abord, moi, je suis d'accord avec vous, on dit que la grande composante socio-économique qui est importante. C'est le premier bail là. Mm-hmm. Pourquoi on gagne tout pile motocyclette ça? C'est parce que on gagne un pays côté pas aucun pouvoir qui passe là qui chita économie pays ça qui font choix économique qui dit mais qui côté nous braler et qui prend le bord de création d'emploi qui prend le bon série de bagaille donc ou quitter que pays a désarticulé dans mon. L'elle désarticulé dans mon et dans mes pouvoirs ça qui passe. Population obligée à rechercher des solutions propres à lui-même pour le capable de survivre. Parce que ce sont réactions de survie qu'on a là. Et après le phénomène motocyclette là, il n'y a pas tout dans le pays. Il n'y a pas tout dans le pays. C'est des réponses immédiates à des problèmes sérieux que nous avons. Qui problème yo, c'est des problèmes économiques, problèmes pour nous manger. Et ils ont l'autre problème tout de service de transport. Oui, oui. Parce que ou gon transport, Santa Cabrelli, le service de transport en Haïti, il n'est pas organisé. L'État n'a pas jamais fourré bouche là-dedans que pour dire, bon, mais prix crucial, etc., etc., les gon variations dans le prix cabio. Mais pas gain de régulation en termes de qui qualité service, c'est-à-dire qui machine qui pour faire service transport, combien pour gain, comment pour yoye. Combien de places pour y gagner, etc. Dans qui route pour y rouler. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire que vous n'avez aucune politique de transport en Haïti, de transport public.
c'est aussi un problème de politique publique. C'est ça. Tu vois, c'est un problème de politique publique qui n'est pas évoqué. Donc, liba ou Santa Cabrille des répercussions en d'un mouvement population. Je vous dis alors on parle de l'autre bail qui passait. Lorsqu'on ville qui passait de 500 000 habitants à 2 500 000 jodia avec les presque les mêmes infrastructures et même infrastructures de drainage. Mais dis-moi, ingénieur, c'est pas même les mêmes. Qui vient qui démodé qui vient qui vêtus. Comment on prend le transport? Qui vont prendre le transport 2,5 millions d'habitants dans même Santa Cabrille, les couloirs ça yo qui là, c'est des couloirs de transportation ou pas moderniser ou pas rien côté jodia c'est faut gagner des tramways faut gagner des métros faut gagner des systèmes beaucoup plus rapides beaucoup plus adaptés en quelque sorte à évolution et population en ville population a grandi et puis les réponses de service ou pas rien. Donc c'est normal qu'il bon ça, il bon anarchie. On anarchie qu'il baou. Maintenant, il prend le baou et puis toute anarchie a, il vient créer en quelque sorte d'autres poches de conséquences qu'on pas capable. Ouais. Maintenant, c'est le fait qu'on a une faiblesse dans le système moi que bandi a lui-même lui utiliser, lui exploiter à leur faiblesse. Ou mettre 20 000 policiers sous. Mais 20 000 policiers, c'est pas le fait qu'on prend le contrôle des motocyclettes qui fait que on comprend que le crime pas fait a fait même gens et puis red. Ou quand on côté, on garder, son bail très simple. Okay. On est qui parti pour la fond bagaille. Parce que nèg là il va lever dit hein, moi monsieur là, quitte me tout prendre monsieur. Par contre ça lié, monsieur pas monsieur pour lever bref en transaction bancaire. Oui monsieur, non, je veux montrer nèg capable. Mais qui va faire acte criminel là. Il programmé. Mm-hmm. Il dit jodi a là m'gen tel côté m'bra l'opérer. Mm-hmm. Et ben monsieur pral opérer tel côté comment il fait? Si jodi a là met policier k'ap contrôler monsieur gon on nèg qu'il mette ou éclaireur, li voyé, li fait sécuria, li wè sécuria, téléphone portable, monsieur dou mon chèr vini. Li dou non mon chèr pas fait ça, fait on l'autre côté, etc. Ou met 20 000 policiers soufflé. Mm-hmm. C'est pas la solution du problème. Mm-hmm. Maintenant ou ka dim comme gagner une action immédiate à faire face à cette situation, parce qu'il faut tenir compte du conjoncturel. Non. Problème n'est tellement profond qu'on y a, lui mandé une intervention pour calmer. Pour calmer, c'est ça, m'relé ou bien conjoncturel. On fait fond palliatif. Mais maintenant, il faut que parallèlement à ça, on montre quelle est donc la politique du gouvernement en cette matière. Moment. Moi, je dis du gouvernement. Moi, je préfère dire de l'État haïtien. Tu vois, je vais me sortir, c'est un problème d'État, il vient. Et pas un problème gouvernemental encore, non? Il vient un problème d'État. C'est-à-dire, ça concerne toute la population haïtienne, ça concerne le pays en entier. Donc, à partir de ce moment, c'est même pas un gouvernement, c'est l'État. Ça concerne l'État. Donc, il faut que nous posions en tant que problématique sérieuse qu'il faut et joindre une solution pour lui. À tout moment et sous n'importe quel gouvernement. C'est pour ça que je me dis qu'il faut poser un tant que problème d'État. Mm-hmm. Qui raison, qui premier pour aborder ça, c'est pour dire phénomène ça à côté de sorti. Pour qui ça le comme ça? Premier bail qui fait le comme ça, ou qu'on désarticulation de fonctionnement pays, a, d'abord sur le plan économique. Puis il faut que qui là, la question explosion démographique qu'on a là. Livin ou bien exode, ou une explosion démographique, plus nous exode. Mais puis faut moun du côté de sorti. C'est pas le seul fait que nous pas jamais gon politique et agricole en notre pays. Et paysan pas encadré, il pas gain ni encadrement économique, ni encadrement et technique, ni encadrement commercial pour la circuit commercial. Donc nèg a livré à tête li pour compte li, et bien l'autre gagné parce que sous monter à 15 ans de ça. 70% de population c'est dans paysannerie haïtien. 70% de population était dans paysannerie. Je dis étant donné qu'il pas aucun encadrement du tout, il est libre à lui-même. Donc chaque intervention qu'il fait, il perd du cobla, il décourage, bon, il quitte zone pour aller à la rentrer dans les villes côté qu'il vient font petit job. Qui côté c'est ça bon bidonville là, il bon on bidonvillisation de toutes les villes. De toutes les villes capitales, que ce soit Port-au-Prince, au Cap, Gonaïve, etc., les bidonvillisent. Et les vignes créent une poche d'action qui est dangereuse pour la population.
puisque au fond faut le vivre ou empêcher le vivre ou pas pour aucune disposition pour faire le vivre. Et bien qu'on y a, il vient vivre à votre dépens parce que dans une loi fondamentale qui régit l'univers qui s'appelle la loi de l'unité et de l'équilibre qui partit du microcosme au macrocosme. Eh bien, de pour désarticuler, l'irrééquilibrer et tout à votre dépens. Parce que c'est parce que nous mal gérer pays, l'ibossa, la rééquilibrer tête à votre dépens. Parce que c'est nous-mêmes qui fait que pays a désarticulé. Ou pas résoudre problème ça, sous pas résoudre les autres problèmes, à savoir, et qui gagne dimension socio-économique. Sous qui ça économie pays ça achita? Personne ne connaît. Parce que pour vivre en tant que pays, il faut un bon bagage. Ou à vendre pour consommer. Nous-mêmes, c'est consommer, la consommer, nous va gagner la société de consommation. Oui, bien alors, ça qui s'est passé. Donc, pour désarticuler alors pays, eh bien, la pété dans la bouche nous. La pété dans la bouche nous tout. Et ma bon l'autre problème pour gagner là. Alors, pour qui ça nous prend problème motocyclette là? Parce que immédiatement, la frappe nous, nous-mêmes qui dans le classement elle, non? Et tu vois, donc nous sommes dans le déchet. Mais pour un problème marché public qui est dans toute la rue, c'est la même situation qu'on a. Comment on peut le résoudre? Sur votre frère là, sur père dit frère, on va descendre. Non, mais comment on peut le résoudre le problème de marché public sur tout trottoir qui est dans le pays? Tout trottoir dans le pays sont marché. Alors, comment on a un maire qui prend une décision? Non, monsieur, levez-moi, qu'on y a, puis t'as fini, il retourne. Ou lever la 5h du matin. Monsieur, il retourne à 7h. Ou lever la 8h, la vina 10h. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, oui, son jeu dit tout est fuck. Ou de mettre fait tout soir, ou pas résoudre. Ou pas résoudre, pas comme ça. Et puis, heureusement, et puis, grave, il est sous pont. Vous dites, il y a toute qualité danger. Il y a un pile là qui sous pont. Oui, mais c'est pas le seul fait que vous n'avez pas. Pas de politique publique en ces matières. Ou même sauver pas des miracles. La question, le problème est posé pour venir avec des solutions articulées, réfléchies et programmées. Sous comprendre que c'est Araki qui a fait, sous comprendre que c'est amateuriste qui a fait, mon cher, la pété dans la bouche. Nous, c'est salié là. Bien, c'est ça. Alors, on nous salue. Alors, grand auditeur New York, c'est Pierre-Richard Raymond qui dit que machine tout pas respecte le principe de circulation. Monsieur dit que côté Toto, Emmanuel Albert, tu qu'on initié une émission sur circulation dans TNH peut-être. Radio Nationale. Radio Nationale, c'est ouais. Ça. Oui, docteur Harrison Ernest, bon, quand même, comment nous question ça au niveau PHTK? Nous conscients de gravité question? Bon. Et... Alors, permettez-nous de saluer M. Jacques C. Joseph et dans quelques instants qui pourra intervenir, juste pour me saluer où, et juste pour me saluer où, comment nous y merci, Peggy, pour l'invitation. Et tout le panel là, merci, M. Pierre-Louis Kila et Harrison Jean-Yanès. Ok, et ingénieur Rosemont Poidel qui est sur le panel là, bon ami René Samson qui est là, et puis oui, bon ami, et puis oui, droits humains, et puis nous avons une belle expérience de combattants de lutte ensemble, de lutte surtout dans le secteur populaire, et puis monsieur Charlot Jacqueline Junior qui est là, et je vais faire répéter toute intervention et matin d'attendre mettre jeune d'affaire matin et depuis une tande non Charlot Jacqueline Junior c'est déjà et ça rappelle nous papal qui c'est un monde qui t'a travaillé dans question alphabétisation mais période ça alphabétisation pas signifie apprendre lire et écrire et si tu ça venir apprendre monde apprendre diaga et puis pour venir en alphabète après et yo pas t'a dire Charlot Jacqueline. C'est parce qu'elle te prend et question alphabétisation, elle te lié avec changement dans la population. Ouais, conscientisation. Et conscientisation, elle te lié avec question transformer la société pour non pas tourner en dictature encore. Alors, c'est en ça. Même temps, tout, non lutte côté que droits sociaux. Tant que Jean et Antoine René Samson t'abdil là, côté manger, mon cas jeune manger. Et après, on est tant que Charlot Jacqueline, c'est plus dans le quartier populaire, conscientisation pour construire. Changement pour construire démocratie. Et c'est ça. Alors, qui t'aime rappeler que vous ne pouvez pas parler aujourd'hui comme avocat ni comme ancien conseiller électoral. Alors, son responsable d'organisation de droits humains, le bureau
de, le des bureau organisations. Des organisations de défense, défense des droits humains. Mm-hmm. Ouais, moi présent là. Ouais, moi présent là dans le cadre BODDH. Surtout, nous fait deux interventions. Une semaine dernière là, et dans le cadre d'une lettre, nous avons écrit directeur DCPJA. Et à l'occasion. J'en avais parlé il y a 8 jours. Oui, à l'occasion de la mort. Premier anniversaire. Oui, oui, premier anniversaire de la mort. Un cousin qui était dans le cabinet, qui était mort. Dans CEP. Dans CEPA, il a été assassiné 5 juillet 2015. Et tout le monde te connaît. Il y a un mobile, orientation, assassinat, c'était pour des questions politiques. Et jusqu'à maintenant, DCPJ n'a pas dit rien. Et notre note écrite, nous n'avons pas dit que le directeur de DCPJ, il y a un monde qui a courage, qui courage et qui travaille très bien. Mais nous n'avons pas dit que je ne sais pas assumer responsabilité, c'est pour mon cap travail. Mais je voulais rappeler toute population, hein, la question enquête se poursuit en Haïti, hein, surtout les mobiliaux. Ce mobile politique là, lui occasionner insécurité tout. Et moi, question, et je vais intervenir, peut-être si il y a un espace, possibilité, comme mon qui enseigne dans l'école criminologie, dans la programmétrice là, moi et ingénieur Rosemont Pradel, tu commencé là à poser problème au niveau très fondamental, et j'ai l'impression. Et ingénieur Rosemont Pradel, qui est même parti politique, il n'est pas venu là pour faire émotion, il était plus venu là pour faire science. Et moi, Oui. Pensé, monsieur sociologue, oui, oui, mais c'est science. Ingénieur a fini faire là. Moi, toute intervention qui fait là, ce n'est pas de politiciens qui viennent faire blague pour râler le monde d'aide. Et je félicite tout Peggy, ou font panel avec monde qui viennent poser problème réel société, pas monde qui viennent pour faire blague pour attirer foule d'aide et puis problème aurait été là. Et problème qu'a posé là c'est des problèmes fondamentaux qui moi-même les m'a regardé phénomène motocyclette là comme on te ban pour m'introduire phénomène motocyclette là yo détaché phénomène motocyclette là donc phénomène criminalité et comme si là yo pas bloquer motocyclette bien même j'en parle la tendance à courir là c'est pour bloquer pour pas gagner motocyclette encore et si on t'a fait ça yo t'a dit Facebook pas t'a existé dans aucun pays surtout nous connaît pointe arabe là. Ça fait technologie le commencer. Et on a retourné sous parler sous lit. Et Canadiens, pour pas de point, en pile coup terroriste. Premier, ça a offert, c'est intégrer au courant, intégrer technologie à tout. Pas de problème. Donc, c'est deux bagages pour nous parler sous lit. Parce que, dans pile fois, nous avons ici, nous avons des dérives, nous n'avons pas utilisé la science ici. Nous n'avons pas utilisé rien. Ouais, n'est qu'à parler de transition. Gain université quand c'est transition démocratique. Gain expérience sous les taux. Mais gain étude sur transition démocratique. Il y a une équipe monde qui est en mime, qui actuellement là, l'aime dire mon texte, l'aime des conformations sur transition, sur comment réussir la transition ici. Ici, n'est-ce pas dit qu'on s'en va parler de bail qui est dans le livre. Ok? Mais ça, yo, l'école là, moun n'a pas servi avec ça. L'école criminologie, m'en sais là-dedans. Je dis à ma profiter pour me dire ça. Parce que ça écœurem, l'MDA a fait cours là dans le droit pénal international, ça écœurem, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas fait ça, pas aucun centre de recherche dans l'école criminologique. Tu as une coopération avec la police. La police est venue dans l'école primaire. Ils ont fait quoi dans l'école primaire? Il y a une pile de recherche qui t'a fait là-dedans. Pas de fonds de recherche. Or, le phénomène motocyclette là, qui a fait crime, il faut avoir une unité qui a étudié le phénomène motocyclette là. Où est aux États-Unis? Il y a des crimes maquillés qui ont été faits sous base accident. Jusqu'à ce que le FBI, pour un voler, pour dire qu'il n'y a pas de tête dans la machine, qu'il n'y a pas de fouelle pour des questions d'assurance. Et puis il faut mettre en bas machine sous base accident. Il faut faire point de temps pour étudier les questions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il faut que l'école là, il faut que l'école là capable de la communauté. On va venir dire la sortie là comme gros criminologue, battre l'estomac ou criminologue, ou maîtrise en criminologie. Il faut faire ça. L'école police là, l'académie police là, doit avoir pour la sortie dans l'école criminologie, la sortie qui fait sciences sociales, de nek qui fait de l'autre domaine universitaire, qui font un bloc de recherche interdisciplinaire, qui a posé problème. Yo. Je dis en pile de qui a posé solution dans les médias. Qui viennent polluer, cadran, c'est juste pour attirer foule pour voter pour eux. Et puis, qu'un bébé, il y a Jean, il y a la corruption, nous dans le détail. Ça, ou malhonnête, faut faire l'école là qui a servi la communauté. Si nous avons une faculté de droit qui a produit économistes comme ça, des milliers d'économistes, faculté de droit qui a produit un pile avocat, alors que là où il y a bloqué là, sous des questions de texte de loi, sous question de circulation, qui loi?
qui mode d'organisation circulation dans le pays qui est capable de faciliter non seulement le travail, mais faciliter la circulation. Non seulement la faculté de droit, l'école de génie, l'école de bagaille. Pour qui ça l'école n'a pas qu'à utile communautaire? C'est ça. Au moins, au minimum. Bien. C'est fondamental. Donc, c'est ça que je dis. Autre que l'être écrit ministère et directeur de CPJA, moi j'ai écrit président de la République là hier, yon l'être tout, dans le cadre BODDH, Bureau des organisations de défense des droits humains, pour prendre conscience sur la question choléra. Choléra qui déjà, bah, 13 000 victimes mortes, moun yo konnen, à travers recensement qui fait dans le ministère santé publique, mais qui est capable de tripler par rapport à moi communautaire, moun qui pas passé devant officier d'état civil pour déclarer. Ça veut dire, des recherches même qui dit qu'il y a environ 30 000 moun qui mourent dans le choléra. Un pays pauvre dans Haïti, 30 000 moun, environ 70 000 moun touchés de choléra, nous pas même gen l'hôpital. Si mes ressources pays a gen, la pralé, résoudre problème choléra pour ministère qui baye choléra dans le pays. Gouvernement pas qu'à faire économie de ça, nous pas qu'à faire silence de ça. C'est ça que moi écrit président privé pour me dire le gouvernement passé yo, tant que gouvernement prévalé mateli, yo te besoin présence ministère là pour baye sécurité, pour garantir mandat yo, mais un président provisoire, il pas besoin ça. Et ça yo, c'est des crimes de lèse patrie. Le fait que vous avez besoin de présence étrangère, justement, pour cautionner un crime qui fait comme ça, contre 13 000 Haïtiens, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas correct. Bien. Vous souhaitez que le gouvernement assume les responsabilités. Nous retournons sur ça. Retournons à Dr. Harrison Ernest qui t'a réagi. Qui t'a pris. Alors, qui t'a pris réagi, oui, c'est ça. Et comment nous-mêmes au niveau PHTK, nous, question. Alors, bien avant, je salue M. Jacques Seus. M'a suivi pour des raisons très, très particulières. Son monde m'a suivi dans la société en de près. Pour en pile raison. Et qu'un pile l'autre monde qui est dans le pays, que ce soit dans la province ou ici, et à vivre. Et je crois que il faut profiter de dire là, mais espérer, comme on a parlé d'une entité qui a défendu le droit, mais espérer que les foncer plus pour permettre un équilibre, pour permettre que les des qui ont fait dans la société ne pas fait encore. Alors, généreusement, Bradel font approche et Peggy insiste en pile depuis l'homme rivière et peut-être avant d'attendre. Li a attiré l'attention en pile sur nécessité pour nous garder et spécialistes de comportement, spécialistes qui occupent des phénomènes de société. Et li parle en pile de sociologue. Mais espérer que moun yo yo pas influencé totalement et simplement par ce qui passe dans la société. Yo wè yo comme des actes politiques et purs. Et malheureusement, pas gain trop intervention qui dans des dimensions genre ingénieur sur de fait là capacité mener à la compréhension des faits sociaux. Et moi même penser que les premières interventions que qu'on a fait dans pays comme citoyen et comme psychiatre même si il y a beaucoup plus ou psychiatre face à des gens qui ont des problèmes mentaux, mais ils ont d'abord médecin, mais ensuite un spécialiste de comportement qui travaille d'ailleurs avec des psychologues, des sociologues, et au niveau de la faculté des sciences humaines, il y a des travailleurs sociaux. Les éducateurs en général, c'est des gens qui ont responsabilité. Et dans la société, ils ont même parlé des gens qui ont des notoriétés, des notables. Et si ingénieusement Bradel pas ton responsable de fusion par rapport à expérience li, par rapport à présence dans la société, ça le fait déjà, sont notables au niveau de la société, qui sont référents, sont sages, il y a des bails qui passent sous pas comprendre le bon côté pour en fonction de l'expérience, pour l'expliquer, pour l'accompagner. Malheureusement, dans la société, nous, aujourd'hui, pas de ça, yo, ça gagne. Mais Jacques, c'est fait référence à Facebook, même si nous n'en blackout, même si un pile monde pas qu'on lit, même si j'ai des problèmes, on paquet de petits jeunes, yo, sur Facebook. Et il a écrit n'importe quoi. On attaque n'importe qui. Ah ouais. On dit n'importe quoi. Oui, et oui. Pas privé d'un phénomène micro à journée, je veux dire. Et c'est pour ça, moi-même, ma responsabilité. Peggy Jean son référence par rapport à Jean le fait émission, par rapport à Choual. Et personne n'a pas qu'à définir une orientation idéologique, politique précise, parce que il est prêt pour parler à n'importe qui monde, pour poser question à n'importe qui monde. Cependant, je n'ai pas d'opportunité, je suis dans tout micro. En d'un pays, ou moun ka di m pou ki sa? De ki démocratie a parlé m la? Le par exemple, moi même qui fait tout ça m doit faire en non société. Et puis jodi,
gen de côté pas bon parler, yo gen des raisons pour ça parce que gen bagay yo pa vlo vin parler, yo konnen gen des bagay ko ka parler. Alors, pour qui ça jodi an si mdi Peggy Jean son référence li ouvert, gen des moun ki pral gen problème avec parce que justement mwen di on bagay ki vrai et son problème de société. Mais même mwen croit que femme félicité et de toute façon directeur général de la police là monsieur Michel-Ange Gédéon et ouais comment société hein? Et approcher malgré les difficultés yo pour voter etc au niveau du parlement au niveau du Sénat de la République et mais société a yo calme avec ou même si t'es bon l'autre monde en place yo gen problème avec tout ça qu'a privé là haut après yo lagué derrière ça montre que société en l'a regardé l'identifier des monde me féliciter le parce que li aller li prend et commissaire divisionnaire Karl-Henri Boucher ancien directeur départemental parce qu'il te font une expérience dans Delma. Regardez depuis qu'il me félicite Marion Dessol tout ancien directeur général là qui t'a appuyé Karl-Henri Boucher dans travail ça qu'il fait dans Delma bon la caille moi dans commune même t'ai suivi de près et c'est une bagarre qui t'ai fait me t'ai gain yeux fixé depuis aéroport jusqu'à commissaire Delma sur Karl-Henri Boucher. Monsieur font un travail extraordinaire, ils font un travail de réflexion des rapports Jean Ingénieur en sous dilan qui te permettent li maîtriser question en Delma. Malheureusement à ce moment, on n'a pas su l'accompagner pour donner justement une envergure nationale à cette approche. Et voilà qu'un directeur général est présent, ça le fait, il pas prendre tête, il mettait devant pour la marcher parler dans la presse sous question, il relé un cadre d'institution que le pensait que tu fais un travail et qui était correct, il relé, il dit le prince en charge. Et c'est pour ça dans semaine nous content de Karl-Henri Boucher qui font approche. Mais cependant, Jean ingénieusement Pradel dit là, il faut avoir une approche multisectorielle. La police pas qu'à résoudre ça pour contre lui. Et ça fait mal pour le directeur général qui sont bons techniciens, nèg sages, respectueux, qui ont plus de capacité. Et là encore, je veux dire, qui a subi le poids de la politique. Parce que ce n'est qu'on s'acte de ratifier, mais la politique ne fait pas qu'à ratifier. Donc ça, c'est mon point de vue par rapport à des observations que je fais pendant plusieurs années. Maintenant, phénomène ça, Jean-Marc Pierre Luté dit là, ou pas qu'à vouloir que la police ne le résoudre. Pour contre, ils sont problèmes de société. Un, chaque problème vous posez là, vous pouvez voir son problème de société, son problème familial, vous pouvez voir que tout le monde qui est passé comme responsable, il n'a pas jamais décidé, et généreusement, Pradel Sodil, quelle est la politique de ce gouvernement pour diable moun ki la yo, dans un certain sens, entre guillemets, qui chita à son question élection chaque jour, élection importante, oui, qui chita à son bon l'autre bagaille, sous tout l'autre bagaille, vous chita tout jour, t'as qu'à dire. Eh bien, qui te met le monde à yon, mon ap mouri chaque jour en pays. Et génération de lui, bah là, fait quand même. Et pas méchant, méchant, non? Li fait quand même continuer. Parce que justement, bon, si yon des moun qui vini pour faire élection, yon pas qu'à faire. C'est des millions. Tant on dit gen kob, pas gen kob. Des millions à dépenser, ou pensez que c'est malheureux, malheureux, kap mouri. Nan la ou yon, moun qui sot fait si transaction yon tout kalte, kap mouri, c'est des malheureux, malheureux tout qui gen moto et kap chercher la vie, mais gen de net tout bien autorité qui charge moto nan la ou yon. Et c'est pour ça que la police prend des dispositions, yon saisit moto, yon prend des décisions, ou wè gen de autorité en coup de fil qui relè dit ou remet moto a. Fon di ça yon tout. Cherche konne. C'est pas seulement ti malheureux, malheureuse, non, qui gen moto nan la ou yon. Elle cherche konon bonne moto qui s'en plaque. Pour qui est sûr? Et c'est ça que fait la police, pas qu'à faire travailler. Mais même moi, je crois que, approche sociologique, il faut y fait, il faudrait que la police arrive à comprendre ça et à la question au niveau du ministère de la Justice. C'est vrai, la police, elle a fait un travail de bras armés, un travail de réflexion, tout, bon, je vais vous l'approcher question, yo, mais est-ce que le directeur général de la police a tout cadre, yo, pas de capacité, yo pas bal droit en tant que citoyen cap dirigé pour comprendre que li là pour l'intervenir au niveau de la société. Monsieur que si directeur général là t'a décidé de venir participer dans ça n'a fait le 29 août là, une journée de réflexion sur la famille, tout on a pétonné a dit bonne politique, sont venir chercher. Et c'est ça l'hypocrisie dans la question. Alors qu'on est responsable de la police, c'est là pour protéger la famille. Mais maintenant pour protéger la famille, faut qu'on famille yo, quel type de famille qui existait, qui est sur yé, comment yo vivent, comment yo fonctionnent. Et c'est là sont après tomber dans catégorie ça qui oblige à utiliser moto pour yo faire comme en 2006, on a participé à nos réflexions. Jeunesse là, tu as 56% en Haïti, on estime population haïtienne, 57% là-dedans, c'était jeunesse seulement constituée. 10 ans et plus après, il y a environ 65%. Et gardez sous moto pour voir si son vieux grand monde qui a conduit. Vous comprenez ça, ça veut dire.
c'est des jeunes garçons. Et peut-être dans 10 ans, on va me connaître, on va jouer une bonne jeune femme, tout obligé de conduire moto pour chercher la vie. Bon, docteur. Donc, non, ma conclu pour me dire. Sénateur, sénatus. Alors, qui voulait faire. N'a retourné avant. D'accord, d'accord. On permet le sénateur Jean-Ronel Sénatus. Je suis bien content parce qu'il parle en pile de la famille. Oui, oui. Et ça n'a pas dit là, c'est des problèmes de famille, des problèmes d'autant de société. Plus que le président de la commission justice et sécurité Sénat. Sénateur Sénatus, comment nous y est? Bienvenue dans Moment Vérité. Bonjour, Epigui. Bonjour, mon brave ingénieur, mon brave qui est dans le studio, Dr. Harrison Ernest. Je vais saluer le sénateur Samson, Charles-Jacques Junior, M. Jacques Seyus et M. Eugène Pierre-Louis. Mon frère, ma p'tit à nous, frère, mes jeunes. Ah, ou à que ça? Maintenant, nous sommes même des jeunes. Monsieur Gouard, je ne suis pas fait, ok. Monsieur Mouboum, on remercie nous, et on remercie au PG pour permettre de participer dans le débat. Et je félicite avec toute cœur pour qualité émission, ça tu as offert société à matin. Moi, je remercie au docteur, mon frère. Et le pays a besoin d'une émission, ça est capable au moins d'aider nous à ouvrir. Et à dire nous qui sorte de société que nous besoin. Merci, sénateur. Nous traitons des questions autour. Moi, j'entends des sénateurs, il y a un panel qui s'est dit à sénateur Samson, qui a travaillé dans le droit de l'homme, et un sénat qui s'est fait comme loi. Effectivement, c'est un problème de société que nous, ouais. Moi, j'entends avec un engouement, docteur Harrison Ernesto, qui sont un professionnel qui a su le comportement dans la société. Et moi, ce problème, nous, à fond, à la légère, nous pas traité en profondeur, et c'est une bagarre qui a fait, nous rester dans ça, nous, là. Nous parler de questions motocyclettes, là, d'abord, qui sont une question de sécurité. Moi-même, depuis que je suis dans le Sénat, nous faut travailler sur ça. Travail nous fait à nous restituer les plateformes de syndicats de moto qui existent à travers la République là, qui partagent avec nos points de vue, qui permettent de dire à nous un point, nous avons un texte qui est censé finaliser pour nous présenter devant l'Assemblée. On est content, les maîtres Eugène Pierre lui dit, effectivement, le devoir de la police est d'intervenir. C'est l'intervention qu'il a fait, les cas de prévention, mais pour le faire, il faut qu'il y ait une loi. On est des spécialistes de la police qui parlent des questions vraies, mais je dis à la société à doué, et mettre les yeux sous le Parlement, qui t'a doué, pas faire pris seulement mission, priver ou pas priver, président priver a prêté ou bien est-ce qu'il va président, on va y aller, qui t'a futile au pays, pendant qu'en film on a oui, en dans la société, nous pas adresser ces problèmes, non? Moi, je pense que c'est à travers un texte, ça, qui dit, motocyclette, yo doué en tiré dans mes vieux. Yo doué des stations côté oyé. Doué des supervisions pour yo. Yo montario doué pour casque, gilet, et qui est même numéro avec plaque d'immatriculation. Si moun, qui est moins que 10 ans, pas de droit à monter moto, encore moins les apôtés 4-5 sous yo. Faut que texte de loi ça qui a aidé la police là, lorsque le campé au motard, on est à pour une motocyclette. Mais qui ça ouvre aussi sur loi. Sinon, quand les motos fouillent au matin, après demain, blier, après qu'ils jouent nous encore, nous fouillons, c'est laver messieurs. C'est un problème de société, je vous dis là, écoute, pour l'analyser, il faut garder face à cette parce qu'en pile parent, c'est avec un auto, il fait face à besoin. Petit yo, motocycle, moto, toujours dit à vous, il est stigmatisé. Il est stigmatisé parce qu'il y a un pile là-dedans, c'est père de famille qui fait des soins, qui coupe les tailles là pour couper l'école. Mais ça, quand on est en moto, on pense que c'est vraiment les cabines de l'école. Eh bien, il y a même tout, il y a ce qui est insécurisé. Il y a un autre phénomène encore qui est pas un traumatisme. C'est une question de banque là. Je dis à mon capteur derrière la banque, il y a un pile là-dedans, il y a traumatisé. Parce que ça qui passe. Nouveau phénomène de criminalité, ça. Lui, toujours utiliser des indices propres à lui-même. Quand on peut faire un point, on peut se tuer au monde. Il y a seulement un monde à l'ombre sur son transaction. Et puis, il dit, c'est notre qu'on le sortit. Mais là, question des DCPJ, quoi qu'on est, être mobile. Sinon, au cas où c'est pas monde qui vient de l'époque et donc il est calé à des messieurs saillants, de monde qui a tout le temps attaqué, il n'y a pas de problème. C'est comme si
c'est une nouvelle forme de criminalité que la société a obligé de camper et identifier et garder comment nous sommes capables de combattre à travers des stratégies propres en matière de sécurité. Nous parlons de la question de famille. Là. On peut en pile pour émission de famille qui n'a pas matin. Mais si je dis à famille, on finit. Les noms qui sont sociétés salines, je dis, ils ont dit avocat, ils pas bon, ils ont dit juge, pas bon, ils ont dit parlementaire, c'est la tête, ils ont dit président des volets, tout le monde dans la société n'a pas bon. Eh bien, on ne va pas dire l'autre côté pour le voyager jeune, qui est notre famille, pour nous regarder, parce que c'est famille qui a fourni à la société qui d'hommes et de femmes qui nous aujourd'hui. Et je dis à ça n'a pas là. Nous pensons que nous devons construire le pays, mais que des médias qui ont circulé, qui ont fait discuter des feuilletons, qui ont montré comment vous voulez l'État. Parce que nous disons qu'il y a des choses des citoyens qui ont dirigé nous, nous avons des feuilletons qui ont montré comment vous kidnapper, comment vous voler bien, comment vous allez mentir pour sortir comme un gros net, parce que nous avons une grande vertu qui est liée. Je dis à la. Pour nous parler de société, il faut nous tourner dans la famille qui est cellule de base société. Et cellule de base, ça, monsieur, il faut regarder qui va les problèmes qu'elle gagne. Moi-même, je travaille, je parle là à tout, comme vice-président de la commission des affaires sociales et des droits de la famille au niveau du Sénat. Semaine, on fait des remontées en matière de famille parce qu'elle estime qu'il y a fini avec nous. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, ils ont gagné la caillou des chaînes de télévision spécialisées, des chaînes de stations de radio spécialisées. Pour me mettre Timoun, ils ont parlé de votre principe. Mais je dis à nous, Timoun, nous avons des noms environnementales, nous avons Timoun, nous avons des marijuana dans le soleil, je dis à nous, au péta, qui a fait la une à travers les médias, pour les qui chantent les trois gestes à des garçons, pour monter garçon, femme, pour monter femme, c'est l'amour qui décide. Nous avons des Timoun, pour nous, ouais, même pour ces jours-ci, ça n'a pas fait. Ma conseiller m'a dit merci parce que je commence à faire, parce que même quand c'est chaque famille, on de société, parce que même pour la famille, c'est chaque nous qui bon panel là, que moi qui a argumenté, positionne qui très bien, mais ma pointe dit, nous avons ce travail de restitution de compte de la famille. Parce que tout ce que nous dit là, là, on doit mourir. Et qui Kamoui, mettez un petit Kamoui, ça ne pense que c'est à ne pas faire. Nous demandons de grâce pour permettre de nous faire. Cependant, si nous avons écrit un texte de loi qui est le code de la famille, qui prévoit des mécanismes de garde pour la renaissance, des mécanismes d'accompagnement pour la vieillesse, pour les adultes, vous pensez que le problème ne la résoudre. Car constituant 1987 là, depuis 1987, je vois là 259 de la Constitution. Et 100 millions, c'était le départ de la société, les mérites de protection, le monde qui protégeait là, c'est l'État. Sénateur, sénateur. Alors, on va lâcher où, mais. Alors, mesures que la police a pris, yo, d'après vous-même, c'est des mesures qui sont capables d'aider pour le moins et réduire le phénomène d'insécurité. Je pense que ça pour vous-même. Je bravo pour la police qui a fait travail. Je dis qu'il a fouillé à travers la rue qui a cherché mon tir. Mais moi-même, toujours des amertume lorsque ça y est passé quand vous ne faites pas émaï. Je dis à William Edouard a glacé le monde. La fouille est moto. Et je dis à Bruno Stéphane, par contre, qui enterré des oui, 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 l'enterré depuis vendredi dernier, l'église Saint-Pierre à Pétionville. Voilà, la fouille est moto. Mais ça, pas de doit arrêter comme ça, c'est une saison. Nous dit, la fouille, il n'y a pas de doit arrêter comme ça. C'est peut-être ça, même penser la police a mérité encadrement de non-législateurs. Car dans tout pays, côté qui a un problème, un phénomène qui a frappé, observation société, a, rapidement, doit venir sur tribune parlement, et parlement lui-même, pour le dégager avec les techniciens qui ont mis pour ça, pour transformer en loi, pour aller répondre okay. À la société. A. C'est ça. Alors, pour me libérer au sénateur, il y a une question fondamentale que nous ne sommes pas capables d'aborder. Il y a des gens qui ont dit qu'ils s'est passé dans le Parlement comme ça. Tu as un débat dans la rue, tu as gagné des manifestations de rue. Et au point que l'élection, le deuxième tour, est arrivé bloqué. Parlement, apparemment, et la présidence de l'ancien président Michel Martelly, tu as gagné
yon accord et en vertu de accord ça et la rue a été campé et parlement la paix mené question yo. Bon, c'est peut-être troisième ou quatrième fois que gon séance en Assemblée nationale côté que parlement t'a doué plancher sous sort président Privert. Est-ce que n'a bon nouveau président provisoire ou bien est-ce que n'a bail président Privert yon rallonge? Ça pas jamais rivé fait au point que alors situation a pas envenimé. Jodi an gen moun ki di que nous pas gagné président la justice en situation difficile avec président cour cassation que mandat fini et parlement pas gon président au niveau du Sénat de la République gagné m'tendez mettre Jean Pierre lui qui a développé une thèse comme ça donc nous situation de confusion et gen moun ki di que comportement parlement est capable gagner pour conséquence que la rue a reprend contrôle situation. Et m'ta remet un peu de mots ou dis-nous ça qui a passé comme ça. Kototeye par exemple dans séance avant hier là. Oui, moi t'es là oui. Moi t'es là et m'a toujours là parce que m'étais précisément pour mandat et pour moi faire débat, m'a là pour faire débat. Mais j'aimerais que nous pas dit tout à l'heure, moi je pense que c'est une société en crise. Et m'ta appelé Moussel jeudi dernier qui écrit, parce que son français, il écrit sur les démocraties en danger. Et puis qu'on chapitre, il parlait des institutions en danger. Je vous dis, à mon sens, les démocraties, pas nous en danger. Même si toutes les institutions haïtiennes, aujourd'hui, ils sont en danger. Dans tête exécutif, là, nous avons un président AI, un président provisoire, qui nous dit à la par contre, si le président ou pas, nous est de facto. Dans tête Assemblée nationale, là, nous avons un président AI, parce que le Sénat n'a pas qu'à faire élection. Dans tête CSPJ, gros problème, parce que l'exécutif, là, mette CSPJ de les mandats président quand t'as fini. Donc nous avons trois pouvoirs de l'État qui a problème, sans compter les familles qui baillent pouvoir ça y est, familles en difficulté. Donc nous pensons que nous avons quatre débats qui ont fait la journée. Ça tout le monde connaît, c'est un débat politique, c'est sûr, la paix des remontées de part et d'autre. Je dis à des sénateurs et députés qui Monsieur Privert n'est plus président. Non, vérité. Tout comme des sénateurs et députés qui dit Monsieur Privert est un président. Des sénateurs qui dit le ça le accord sur le février fini. Alors qui dit le faut qu'on finisse. Maintenant, discussion ça y est. Je ne sais pas au regard de quoi. C'est au regard de la loi, au regard de la Constitution. Maintenant, pour nous entrer dans la salle de séance, c'est une bataille politique. Bataille politique, la salle de comprendre, c'est une bataille, mais on peut maintenant dire ça a béguit. Ça a réglé en bas, une cachette, on le pensait, ça a réglé à ce moment-là, il y a un caprin à la légère. Parce que le groupe qui dit à vote, il y a un groupe qui s'est voté. Il y a un intérêt pas à faire vivre, il y a un groupe qui a voté. Tout comme groupe qui dit le pape voter, il n'y a pas qui dit le pape voter. Mais nous sommes nous-mêmes en tant que mon café opinion dans la société. Dans qui est-ce de groupe ça ou est? Dans qui est-ce de groupe ça ou est? Parce que. Non, il y a des bacs à fait que vous ne comprenez pas, sénateur, sénatus, vous ne pas trop comprendre que vous campez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un comportement difficile. Raison, c'est parce que moi-même, pas de qui a acheté. Pas de monde qui a dit sénateur, sénatus. Il y a qui a une cause. Moi-même, je suis là pour l'application de la Constitution, les lois et les préférieurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le travail n'est pas moi-même comme sénateur, c'est garder qui, bon, intérêt l'employé, intérêt république, intérêt collectivité noyée, et puis m'avancer. Maintenant, je dis à la cour, parce que vous n'avez pas en dehors de ça. Pas de débat en dehors de l'Assemblée. Lorsque vous n'avez pas, vous pouvez continuer à me positionner. Et m'a toujours positionné du côté de la Constitution, de la loi et de l'intérieur. Ok, mais en guise de conclusion, sénateur, donc de quoi demain sera fait finalement? Est-ce que Parlement n'a pas failli à mission au point que nous canons situation que la OEA reprend contrôle la situation? Je ne crois pas dans la région. Mais un livre sur capitale, Maître Jean Pierre lui dit change-toi et change ton pays. Mettre dans l'air. Mettre dans l'air, président, nous écrit. L'économie, il y a une société qui n'est pas prête à faire respecter les normes, à faire respecter les lois, il y a appelé à disparaître. Ou l'autre côté, il dit, donc, si elle n'est pas respecter les normes, la prenez en jungle. Je dis à la toute discussion.
constitution, yo nous autour de la constitution, autour de la loi. Maintenant, qui s'agit là comme problème? C'est que nous avons un accord du 7 février qui dit dans l'article 7 li, si le président privé passe cette élection, le cas échéant, il prend telle, l'Assemblée nationale prendra telle disposition que de droit. Je dis à nous devant telle disposition que de droit, ça que l'Assemblée a nous prend. Mais nous ne pas prendre, nous ne pouvons pas prendre. Non, non, écoutez, pour le président, dire tout le monde, le regret le fait que pas gagner à l'Assemblée. Parce que c'est un débat qui fait prendre l'Assemblée, pour y a qui ça qui attribution nous. Lorsqu'il n'est pas échéant, l'Assemblée prend à telle disposition que de droit, pour moi, qui ça disposition que le cadre. Tout le monde qui bon table là, c'est des avis écrits, bien sûr, c'est un qui ça attribution au l'Assemblée nationale, nous prenons directement à l'article 98.3 de la Constitution. 98.3 de la Constitution, c'est l'attribution que tout le monde songe que l'Assemblée a gagné. Et parmi ça, il dit, non, pour 8 ans, pour courir à l'élection du président provisoire, conformément au prescrit de l'article 149. Non, pas dans 149 même. 149 parlait de démission, destitution. Donc, nous pas dans 149. Donc, parce que là, nous pratiquement pas dans la Constitution. Nous pas dans rien. Nous pas dans la Constitution. Lorsque vous parlez de Constitution, vous êtes obligé de tomber dans le consensus. Pas référencé égal du tout. Du tout. Est-ce que vous avez là? Oui, oui. Non, pas la constitution, et ça me dit là, oui, à ce qu'elle avait dit pour toi, oui, non, 149, 149 là-bas est condition. Il n'est pas adapté. Ça veut dire, je ne suis pas capable de dire l'allonge pour président privé, ou pas capable de prolongation, ou pas capable de président provisoire, ou non situation de mon client, ou pas contre la bouffée. Maintenant, l'on va contre la bouffée comme ça, ou pas y a l'autre bagaille pour faire que c'est appel au droit pouvoir de l'État. C'est-à-dire, c'est la vision qui vous parle, je garde des parlements comme un ordre qui dit c'est moi l'État, et dit c'est le président, la président, il fait loi, il applique la loi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ma position. Donc aujourd'hui, à la situation, de la situation où nous sommes trouvés, c'est faire appel aux trois pouvoirs de l'État qui doivent s'asseoir. Si les trois pouvoirs jugent nécessaire d'élargir le dialogue à d'autres secteurs vitaux de la vie nationale, l'appel, mais l'appel, on va dire qu'on dit les trois pouvoirs ont engagé l'État, nous le voyons. Mais pas mal aujourd'hui, je suis assemblé à Bézefel, je suis sénateur et député pour au compte de Bézefel à l'Assemblée de l'Assemblée. Moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas vieux, maintenant, là, qu'on fait débat. C'est pour ça que je ne peux pas faire des classes pour nous la Constitution, je ne peux pas faire solidarité dans le mal à quiconque. Et dans l'intervalle, le statut de Jocelyn Brivert aujourd'hui. De facto. Merci un peu, sénateur. C'est un plaisir. Eh ouais. Bon, et bien, vous suivez avec Harrison. Je conclue parce que, en fait, n'est déjà. Oui, pas de problème. Alors, nous t'en approche, sénateur. Juste, bon. Non. En tout cas. Ma conclue, vous me permettez l'autre intervenant, parce qu'en fait. Ou l'autre va souffrir. Et bon, ouais, m'pap même continuer. M'ai l'impression qu'on a tout traversé. M'pap continuer l'intervention. Non. Conclusion, non, c'est dernière intervention, sénateur. Là. Et m'comprenne ni. Et, mais, on regarde dernière intervention. Moi. Ça qui a parlé là, son pays bloqué. Ouais, absence de toi. M'ta quand même dit absence de toi pouvoir. Parce que. C'est une explosion totale. L'un guet toi pouvoir. C'est pas pour eux juste exister. Mosso pas mosso. C'est pour eux non seulement à fonctionner, mais faire opérationnel. Oui, opérationnel. Faut qu'il y ait un résultat qui baille. Qui tout échoué, qu'on résultat qui baille négatif, qu'on réévalue pour avancer. Mais li pas opérationnel. Donc, ou besoin, comme si nous faisons nous comprendre, nous réfléchir pour nous patrouiller nous encore. Pour moun pas d'insécurité encore, un pays qui charge contention entre les trois pouvoirs, et pas contention entre machin, non quoi de boussal avec machin, non tabac, machin, non. C'est la plus haute autorité, oui, on a parlé. C'est dit contentieux, y'a pas caché ensemble, y'a pas à l'aise, y'a trop de division. Donc ça veut dire que le bagage n'a pas qu'à résoudre dans le niveau ça. Qui l'a pour le résoudre? Ou voulez ce directeur général là qui va le résoudre? Ou voulez ce policier dans la rue en pot diable sans pas un texte de loi? Non seulement sous question phénomène moto 1, et encore plus, parce qu'un texte de loi protéger la police
Même la police a pris à l'agir dans la rue. Coup l'agir dans la rue, organisation de droits humains. Pas besoin de citer non. La guerre dans le conseil, prend prison. C'est madame qui a un problème. Et puis il y a un commissaire gouvernement qui vient après, qui va l'obliger à nos politiques pour tomber la guerre, même si pas une organisation de droits humains qui peut vérifier exactement pour toute société à connaître. Donc, même moi, je crois que, jeudi, après le dernier sac fin dit là, les bon, problèmes bon, de société. Vous organisation de droits humains sur ta oui, mais là, il y a très bonne ni là. Et me dit, continue pour bailler un souffle. Pour mettre oxygène, plus oxygène dans la société. Pas de façon exagérée. Alors, conclusion, c'est que par rapport à ça que je dis là, et ingénieur Braden, encore une fois, il y a raison. L'ordre de la société, les bloquer en haut, autorité pour décider, il n'y a pas qu'à chiter ensemble, ou pas qu'à les problèmes de société résoudre. Nous pas bailler tête, nous mentir, si nous voulons. On a toujours fait de belles réflexions là, mais qu'après là, et malheureusement, je suis obligé de dire, Haïti fait carré pour aller dans mauvais route là, s'il ne pas font bas. Pour n'aller courir la vie. Alors, constat à tout, c'est que le même temps des sénateurs, sénatus, ingénieur Pradel, c'est un coup, il admet que le Parlement n'a pas de légitimité politique, je dis, pour y agir sous ça, parce qu'il a parlé de nécessité que réunion des trois pouvoirs, etc. Le ou mal engagé un problème, ou pas qu'à résoudre en mettant Timo Sobo ici, Timo Sobo l'autre bord, comprenne quoi après la pièce. Le ou qu'on société, donc on problème, il va dire, il y a un genou là. Le ou qu'on problème qui posé, ou qu'on mal posé, c'est Einstein qui dit, ou pas bien pour une solution. Le ou rivé fin janvier, ou entrer dans début février et que le président Matéli n'est pas arrivé à faire élection, il n'est pas gagné remplaçant. Mes amis, ou pas capable de chercher à faire une solution de Mahon, quel privé, quel Matéli, quel autre monde, vous connaissez que ça n'a pas mené aucun côté. Comment on peut demander privé qui signe un papier et puis pour le dire qu'il faire élection dans 120 jours, alors que Matéli fait 5 ans pas de café élection. Bon, si vous comprenez, avec ça que tu es là, tu as pas de l'élection vraiment dans 120 jours. Ce n'est pas possible. Vérité. On s'est pays éclaté, ou non crise post-électorale, aiguë, côté qu'on n'a pas ni pied ni tête, et puis on a le gonne qui peut arriver là, et puis le doux dans 120 jours pour faire élection. Donc nous te connaissons, tout acteur te connaît, ce n'est pas de vrai. Deuxième bagage. Comment pral fait pour nommer pour choisir un président provisoire? Et puis, nous font élection. Qui compte qu'on fait élection pour nommer président provisoire? C'est-à-dire que le président, lui, élu. C'est élu, l'élu, oui. Ils font élection, ils ont élu au second degré. Eh bien, monsieur le président. Monsieur le président élu. Bon, qui bagaille ou pas le vin là? Et de l'assemblée, ceci. Donc, nous font galimatia politique. Quand on finit qu'on bagarre, dit, nègre là, y'a mette le pour tel temps, si ça va faire, l'assemblée. C'est une gargote politique qui est liée. Et je dis à la, bah, elle a bloqué, non mais tout le monde, même international, la boue poil, l'oublie de courir. International, la retire quoi, lui? Li boue poil, li dou, bon, li pas comprenant y'en a pas ça, li dit pas, non même dans l'élection, pas financé. Alors, y'en a raison que Femmery, le premier veto, c'est l'homme temps de dit que, position département d'État américain, c'est pas avec deux mains seulement pour n'applaudir. Oh, oui, oui, faut n'applaudir avec deux pieds tout. Deux pieds. C'est même moment, mon téléphone, mon brélo, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour ça. Qui l'un des mouns cherchait des solutions réelles? C'est l'un, effectivement, face au problème, retrouve au